cette potion. C'est qu'il n'y va pas en l'air parce que ça les blesse pas. Perche, pour prendre soin, c'est l'avenir. C'est ça plus tard qui fera que vous aurez une perche de 50 cm ou un truc comme ça. Ma cocotte. Oh, loupé. Dommage, petit poisson. Pas bien gros, vous avez vu dans un poste un peu plus encombrant, c'est celle-là. Loupé. Yes. Allez. Oh, encore loupé. Bah, vous avez vu, c'est elle-là qui vient de choper là. Ah, il y en a deux, j'ai l'impression, parce que... Loupé encore une fois. Je sais pas si vous avez entendu, il y a eu le mouillé, il a fait un clic. Yes, elle y est. Magnifique perche. Je vais la remettre un peu plus loin pour essayer de prendre la deuxième. Hop là. Beau poisson. Voilà. Petite perche. Qui va retourner à l'eau. Sans problème. Alors on va tenter une pêche pseudo-verticale, en fait de ce petit pont, là où il y a très fréquemment des perches. J'en ai déjà pris 4 à cet endroit là depuis que j'ai cette petite canne UL, ultra-léger. On va bien voir ce que ça donne, j'espère faire un poisson, 2 ce serait très bien, et puis 3 bah, ce serait super. En fait le but là c'est de prendre un poisson pour faire un no kill underwater. On va lâcher le poisson sous l'eau quoi. Pour le voir partir, ce serait joli, ça ferait une belle petite vidéo. Enfin bon voilà. On va voir ce que ça donne. Yes. Petit poisson, petite perche. Ouh, petite, qui se défend bien. Vous pouvez la voir. Voilà. Ah c'est parfait, on va faire un petit relâché sous l'eau, ça va faire de belles images. Voilà. Alors on va pas trop la lever, espérons qu'elle se secoue pas. J'ai toujours peur qu'elle se fasse mal quand elle se secoue comme ça. Surtout quand elle l'élève. Doucement. J'espère que vous la voyez. Oh, belle petite perche. Voilà, toujours Leurre souple. Et on va faire un joli no-kill en la filmant dans la lumière du petit coin là-bas. Ça va être très joli.